Le Cameroun affronte la Corée du Sud ce mardi 27 septembre pour une rencontre amicale dans le cadre de la préparation pour le Mondial 2022. Le président de la Fédération camerounaise de football Samuel Eto'o et le sélectionneur Rigobert Song étaient aujourd'hui en conférence de presse et ils ont affirmé que la victoire sur la Corée du Sud est assurée. Installez-vous bien car dans cette nouvelle vidéo, vous aurez plus d'informations. Mais tout d'abord, si vous découvrez la chaîne pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre à ne plus manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Direction le stade de Séoul pour assister à l'un des matchs amicaux les plus passionnants de ce mardi 27 septembre. Pour leur deuxième sortie dans le cadre de matchs amicaux devant servir pour la préparation de la Coupe du Monde. Les Lions indomptables vont jouer contre la Corée du Sud demain lorsqu'il sera 12h au Cameroun. Malgré plusieurs joueurs méconnus du grand public, la Corée du Sud pourra compter sur l'attaquant de Tottenham, Heung-min Son, pour faire la différence face au Cameroun de Karl Toko Ekambi. Présente à la prochaine Coupe du Monde, les deux équipes vont essayer de se préparer au mieux en remportant cette rencontre avec la manière. Le Cameroun n'a pas d'autre choix que de se rattraper après les rêves 2-0 assez incompréhensibles face à l'Ouzbékistan. Rigobert Song et ses hommes vont devoir corriger les tirs. Merci d'avoir été attentif. Abonnez-vous et mentionnez-nous en commentaire vos réactions. À bientôt.